Et on voit encore le chat, donc dites bonjour à YouTube. Putain, est-ce que tu sais si la pompe du Corsair H10 fait beaucoup de bruit ou pas Je t'avouerai que j'en ai, j'ai jamais eu le h 110 entre les mains, je l'ai jamais essayé, donc je ne saurais dire si la pompe fait beaucoup de bruit. Par expérience, j'avais la pompe de mon NZXT X61, donc le Kraken. Bonjour YouTube, bonjour YouTube, bonjour YouTube, bonjour YouTube, qui quand même quand il tournait à fond faisait pas mal de bruit. C'est-à-dire que le Noctua du coup vraiment le air cooling Noctua que j'ai fait beaucoup moins de bruit que mon ancien water cooling I.O. parce qu'il n'y a pas la pompe. Voilà, bonjour YouTube, etc. Le spam du chat sur bonjour YouTube. Voilà, voilà. Maman, je passe sur l'Internet. <laughs> ah, vous êtes vraiment des tardes. Ah non, mais c'est beau, c'est beau. YouTube va être content. Les gens qui vont regarder la VOD vont être contents. Ils vont se sentir aimés. Voilà, voilà. Salut YouTube, je vais ban. <laughs> Magnifique. Bref. Alors, la prise CPU fan de la CM est en PWM. Toutes les prises CPU fan et système fan des cartes mères sont en PW PWM, les trois quarts des cas. Sur quasiment toutes les cartes mères, toutes les prises ventilo que vous allez trouver, CPU fan, système fan, c'est du 4-pin et du PWM. Hello YouTube, my J'arrive pas à chanter. Euh, bon, Tech Talk, c'est parti. C'est bon, vous pouvez arrêter de spam. Salut YouTube, hein. on ne vous voit plus. <laughs> on ne vous voit plus, les gens. Bref, donc le chat, comme d'habitude, le chat est là, mes news sont là, donc je ne vais pas lire le chat comme d'habitude, enfin très peu lire le chat. Euh, je vais certainement plutôt parler des news, etc., et me concentrer sur les news, surtout qu'on a des trucs qui sont pas trop qui sont. Allez, on a des trucs qui sont très intéressants. On n'a pas vraiment beaucoup de détails là-dessus, on va juste les aborder parce qu'on n'a pas beaucoup de précision sur ces news-là, mais c'est des trucs qui sont extrêmement intéressants. Mais pourquoi il lit pas mon commentaire SVP Oh là, c'est bon, hein, du calme. On va commencer par HP. HP qui se lance dans le gaming avec des nouveaux PC de bureau en forme de cube. <laughs> non. Non, plus sérieusement, c'est vrai qu'il lance une nouvelle gamme de PC de gaming, PC portable, PC de bureau sous la bannière Omen. Donc HP Omen. D'ailleurs pour ceux qui le savent pas, Domingo en a parlé parce qu'il est sponsor par HP maintenant et il a eu un PC portable Omen, je pense, où il va en avoir un à faire gagner, etc. Bref, en tout cas, je l'ai vu avec un PC portable Omen. Il euh, n'y a pas si longtemps que ça sur une photo. Je pense que c'était un shooting pour HP qu'il avait fait à Berlin. Et euh, bon, bref, du coup, Omen sort une nouvelle gamme. Euh, HP sort une nouvelle gamme de PC portables et de PC de bureau pour le gaming, labelé Omen. Donc là, ils ont liqué un petit peu leur nouveau PC de bureau, le HOMEN X Desktop, qui est un espèce de cube avec quatre compartiments. Alors je peux vous avouer qu'au niveau du design, ils sont géniaux. Ils sont, c'est des génies. Enfin c'est des génies. C'est parfait. Genre personnellement le design, je, je kiffe. Genre un PC comme ça, je, je surkiffe. Genre vous avez un petit cube subdivisé en quatre petits cubes. Ah, ici vous avez les prises. Vous avez certainement le bouton d'alimentation, une prise jack casque, une prise jack micro, euh, de l'USB 3, peut-être un lecteur de cartes, etc. Ici vous avez certainement tout ce qui est lecteur CD et disque dur, comme on peut le voir ici en fait. On a une, on, on a une espèce de vue éclatée au-dessus. Au et je pense que ici en fait c'est les emplacements de disque dur. C'est pas le lecteur CD, il ne doit pas y avoir de lecteur CD. Je pense qu'il n'y a pas de lecteur CD. C'est les emplacements de disque dur. Et ce qu'ils ont fait en fait, c'est qu'ils ont divisé les composants en quatre places, c'est-à-dire que ici vous allez avoir tout ce qui est stockage dans ce petit cube ici, donc les disques durs et certainement les SSD. Comme vous le voyez sur l'autre photo, il y a un endroit où on va avoir l'alimentation, donc ça doit être ce bloc ici doit y avoir l'alimentation, ou peut-être le bloc en dessous, je ne sais pas exactement. Un autre bloc où va y avoir des radiateurs pour le refroidissement avec water cooling, parce que je pense que c'est du refroidissement à water cooling. En tout cas pour le processeur. Et après vous avez un autre bloc donc tout celui-là donc le bloc au dessus là non les deux carrés au dessus du coup les deux carrés au dessus c'est toute la partie carte graphique processeur carte mère donc tout ce truc là là vous enlevez le, le couvercle et vous avez votre PC carte mère mémoire enfin mémoire carte mère mémoire vive processeur et carte graphique ici vous avez le stockage et certainement ici là où il y a le petit truc commun vous avez le power supply et potentiellement les radiateurs. Ah, les radiateurs, non, les radiateurs sont également là-dessus, comme vous pouvez le voir ici sur cette photo. Donc je trouve que, dis, fin, esthétiquement parlant, il est magnifique. On voit qu'on a un petit water cooling avec trois petits radiateurs, c'est parfait. Et à l'intérieur, vous allez avoir donc un i7 Skylake, 8 Go de RAM, un disque dur de 2 Tera et un SSD de 256 Go, du refroidissement liquide. Et au niveau de la carte graphique de base, ça va être une RX480 de chez AMD. Il va également y avoir 10 ports USB. <laughs> 8 ports USB 3.0 et 2 ports USB-C. Ensuite, vous pouvez améliorer cette config de base avec d'autres cartes graphiques, donc potentiellement soit une GTX 1080, soit deux GTX 1080, ou alors deux cartes AMD Radeon R9 Fury X. Donc là, la photo qu'on a, c'est des R9 Fury X. Donc les prix vont débuter à 1800 dollars sur le site d'HP pour un i7 8Go de RAM. Un disque d'eau de 2 tera, un SSD de 256 Go, le système de refroidissement et la RX480. Alors c'est assez cher. Je trouve que c'est extrêmement cher, mais le PC est design. Mais c'est vraiment cher. Euh, Tout. Et HP, donc ça c'est un excellent point. HP propose également le châssis vide du Omen X pour ceux qui veulent construire un PC de jeu à partir de zéro. Donc c'est-à-dire qu'ils peuvent vous vendre le châssis comme un boîtier de PC vide. Le seul problème, c'est que ce boîtier vide est vendu à 600$. Ça explique également le prix du PC qui commence à 1800$ alors qu'il y a une RX 480 dedans. Ce qui n'est pas. Enfin, genre, une RX 480, tu peux mettre ça dans un PC qui vaut euh, 900€. Là, si tu as déjà 600€ de boîtier, c'est sûr que le prix de ton PC est énorme. Voilà. Bref. Donc, certainement, un PC que. Les gens qui veulent pas se faire chier à monter leur PC tout seul et qui ont pas mal de fric vont potentiellement considérer. Mais d'un point de vue connaisseur et acheteur et un mec qui aime bien monter des PC, je n'irai jamais, jamais acheter ça vu son prix. Bref, on va continuer avec une news sur Google. Google qui travaille sur un système d'exploitation appelé Fuchsia. Fuchsia c'est une couleur. Hein, pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui n'ont pas... Euh... <laughs> C'est co une couleur avec laquelle euh, votre copine a certainement dû vous faire chier parce qu'elle vous a dit « Non, mais ça, c'est fouchia, toi, t'es là. Non, mais c'est rose. Rose violet. Non, non, c'est fouchia. <laughs> » Ok. <rire> Bref. Donc, apparemment, c'est un projet qui, pour l'instant, est juste un regroupement de codes sources qui est sur la plateforme GitHub. Donc, GitHub qui est euh, une énorme plateforme sur laquelle il y a beaucoup de gens qui partagent des projets au niveau euh, code. Et donc, du coup, bah, pour l'instant... Le projet Fuchsia est juste sur Github et c'est genre une grosse pile de code source sur Github. Donc il aurait, après, il aurait par exemple certaines caractéristiques. C'est que ça ressemblerait à, je pense, une base Chrome OS et une base Android. Mais ce n'est pas du noyau Linux. Voilà, c'est le, le noyau code qui se trouve à la fois à la base Android et de Chrome OS. Et bien là, ils n'utiliseraient pas ça. Ils n'utiliseraient pas Linux, alors que c'est le noyau qu'ils utilisent pour Android et pour Chrome OS. Là, ça serait un nouveau truc. Et par contre, à quoi ça va servir Certaines personnes pensent que ça pourrait être utilisé pour unifier Chrome OS et Android dans un système d'exploitation unique. Parce que vous savez que Google propose Android pour tout ce qui est smartphone, tablette, etc. Et il propose Chrome OS, qui est un système d'exploitation gratuit que tu peux installer sur un PC de bureau. Et sur potentiellement les télés, je ne suis pas sûr. Et là, bah, Fuchsia pourrait servir à unifier les deux et à faire juste un seul système d'exploitation qui soit cross-plateforme, mobile, tablette, PC. Voilà, et puis qui reste gratuit du coup. Donc ça sortirait potentiellement en 2017, mais là on va pas trop en parler. Il n'y a pas beaucoup de news là-dessus. On verra ce que ça donne plus tard. Ensuite, on a la PS4 Slim qui aurait fuité. Donc c'est une photo, apparemment, de vendeurs qui ont mis sur un site d'enchère, une annonce, donc le site d'enchère qui s'appelle Goomtree, je ne connaissais pas ce site d'enchère, c'est un site d'enchère euh, potentiellement anglais, je vais juste aller jeter un coup d'œil. Ouais, c'est un site d'enchère américain ou anglais, en tout cas anglophone, et ils ont eu une annonce concernant une PS4 Slim. Donc, ils avaient des photos de la PS4, et on ne sait pas si c'est un fake ou pas. C'est-à-dire qu'on sait que Microsoft a sorti du coup la Xbox One S, donc une version réduite de sa Xbox One, et nous on attendait du côté de la PS4 et de Sony, on attendait la PS4 Neo, qui était genre la PS4 4K. Mais il semblerait qu'ils aient potentiellement un autre projet de PS4 Slim en attendant, donc qu'il soit une PS4 juste d'un format réduit, comme ils avaient sorti la PS2 et la PS2 Slim, qui était beaucoup plus petite, genre deux fois moins grosse que la PS2. Le seul problème, c'est qu'on ne sait pas si c'est un fake, on n'a aucune information parce que ça pourrait être. On a des photos, oui, c'est sûr, mais ça pourrait quand même être un fake. Ça pourrait être une fausse console, genre euh, une vieille contrefaçon made in China avec des manettes, avec une fausse boîte en carton imprimée, etc. Et du coup, on n'en a aucune idée. Et Sony, c'est pas. C'est pas. Euh, exprimé par rapport à ça. Et du coup, je pense que les prochaines infos qu'on aura. Euh, lors du Sony Meeting, enfin du PlayStation Meeting qui aura lieu le 7 septembre à New York. Donc voilà, on ne pourra pas vérifier ces infos avant le 7 septembre lors de PlayStation Meeting à New York, ou si Sony décide de se prononcer sur cette fausse PS4 ou sur cette fuite de la PS4 Slim. Ce n'est sûrement qu'un sous genre de la PS4. On ne sait pas du tout. Un scanner avec un logo PlayStation. C'est vrai que ça ressemble, c'est minuscule et ça ressemble à un scanner avec un logo PlayStation, c'est vrai. Bref, donc à voir, à voir, à voir, à voir. Ensuite, là on va passer sur des petites news un petit peu plus intéressantes, on va parler des RX 480 et des RX 470 en crossfire. En grosso modo, c'est juste qu'il y a eu des benchmarks qui ont été refaits sur les crossfires de RX 480 et RX 470. Et je voulais vous les partager. Donc, au niveau du système de référence, on est sur un i7 6800K, donc Broadwell Refresh, 32 Go de RAM Corsair DDR4, une carte mère X99 de chez Asus, 240 Go de SSD, une Alim à 1200 watts. Voilà, voilà. Donc, ils utilisent deux cartes, XFX RX 480 à 4 Go et la MSI Radeon RX 470 Gaming X. Donc, et ils font des crossfire couplant soit les deux cartes ensemble, donc une RX470 avec une RX480. En fait, c'est surtout ça. <laughs> en fait, le, le test n'était pas de coupler une RX, enfin deux RX 470 et deux RX480. Les mecs ont fait des tests pour coupler une RX480 et une RX470. Donc c'est là que c'est intéressant. Donc ça marche, évidemment. Bien évidemment. Avec DirectX 12 et avec DirectX 11. Donc comme le faisait AMD pour d'autres cartes. Donc par exemple tu pouvais faire un crossfire entre une HD 7970 et une 7950. Tu pouvais faire un crossfire avec une 7950 et une R9 280X. Parce que c'était le même chipset etc. Tu pouvais faire ça. AMD était beaucoup plus laxiste et beaucoup plus ouvert sur ses possibilités d'overclocking, donc souvent tu pouvais overclocker des cartes qui n'étaient pas. Euh, qui n'avaient pas le même nom et qui n'avaient pas tout à fait les mêmes caractéristiques. Genre, tu n'étais pas obligé de coupler deux R9 290X ensemble. Tu pouvais par exemple coupler ça à une ancienne euh, HD 7970. Bon là c'est HD7970 et R9 290X. Tu pouvais coupler une R9 290 avec une R9 390X, etc. Parce que c'était la même famille de chipset. Voilà, voilà. Et là, du coup, ils ont essayé de coupler une RX 480 avec une RX 470. Et du coup, c'est possible. Et voilà les résultats que ça donne. Donc, ils ont essayé. Ils ont comparé ça à une, 9, à une 1060. Ils ont comparé les deux cartes toutes seules. Et ils ont fait au niveau du Crossfire. Donc... On voit qu'on a quand même pas mal de perf en plus au niveau du Crossfire des deux cartes et on vient battre une GTX 1060 avec un Crossfire de RX 480 et RX 470. Le seul problème, c'est que bon voilà, sur Battlefield 4, on est juste un peu au-dessus, on est quoi 15 FPS au-dessus. Sur Dirt Rally, alors là, ça l'explose carrément et là ça devient très très rentable. Sur GTA 5, c'est pareil, on est genre 15-20 FPS au-dessus, on est 20 FPS au-dessus, ça peut être rentable. Par contre, il y a des jeux où c'est pas vraiment rentable. Rise of the Tomb Raider, c'est moins rentable. The Witcher 3, c'est très rentable. Donc, il faut savoir que la RX 480 plus la RX 470, ça va coûter environ, je pense, dans les 400 euros. Donc, environ 3... 50 euros de plus ou 60 euros de plus qu'une 1060. Mais vous avez quand même un gain en performance qui est assez énorme. C'est-à-dire que vous avez... Euh, vous rajoutez, allez, 150 euros pour euh, rajouter une 470 à votre RX 480. Vous rajoutez quoi 330 euros pour aller à 370 ou 400 euros, ça fait 60 euros. Vous rajoutez 20% du prix. Et grosso modo, bah, par exemple sur The Witcher 3, 20% de perf en plus, ça fait euh, 20% de 80, ça fait 10... Non, ça fait... Est-ce que ça fait 10 1% de 100% ça fait 20, 20% de 80%. Ouais, ça doit faire 15%, grosso modo. Tac, tac, tac. 80 divisé par 5. Ouais, ça fait 15, grosso modo. Vous, vous avez plus de 15% de performance en plus. Vous avez genre... Vous rajoutez 20% du prix et vous gagnez 30% de performance en plus. Donc ce qui n'est pas dégueu. Ce qui est vraiment pas dégueu. Pareil par exemple sur Dirt Rally ou sur euh, d'autres jeux. Bon, il y a d'autres jeux comme GTA V ou Battlefield 4, là où le gain est beaucoup moins significatif et vous rajoutez 20% du prix, mais vous gagnez moins que 20% de performance en plus. Donc il y a certains jeux où c'est rentable, d'autres jeux où c'est moins rentable. Mais si jamais vous achetez par exemple une RX 480 et que vous voulez, dans un an et demi, rajouter un petit peu de performance, bah vous pourrez racheter une RX 470, qui à mon avis sera beaucoup moins cher. Vous n'êtes pas obligé de rajouter une RX 480. Vous pouvez juste rajouter une RX 470 et paf Petit boost en performance. Voilà voilà. Et en plus, vous voyez que ça peut marcher. C'est pas forcément rentable mais ça peut marcher. Ensuite, on va parler d'un truc dont on avait parlé la semaine dernière, c'était les nouveaux processeurs Intel Kaby Lake, donc 7 génération, ce qui vient à la suite de Skylake. Donc je vous avais dit que la roadmap avait un peu fuité et qu'on pourrait attendre les premiers processeurs d'ici fin 2016. Et c'est quasiment le cas. On va avoir les premiers processeurs i7, euh, enfin i5 et i3, je pense, de cette génération Kabylek, labellés U. Donc ceux qui sont labellés U, c'est ceux qui sont, U, ceux qui sont euh, à basse consommation et euh, je crois que c'est des basses consommations normalement. Ceux qui sont labellés U, normalement, c'est du basse consommation. C'est tout ce qui est dans les PC de bureau mainstream qui sont vendus potentiellement dans les grandes surfaces, dans les PC portables, on peut en retrouver aussi pas mal, donc tout ce qui est euh, notebook, etc. Vous allez retrouver potentiellement des processeurs labellés U, parce que c'est basse consommation d'énergie, etc. Et donc du coup, les premiers processeurs de la série Kaby Lake, labellés U, vont sortir dès septembre. Donc c'est ce qu'on voit ici. Donc les premiers U en 2 plus 2, ou, bah oui, 2 plus 2, donc ça, ça doit être des i3, vont sortir... En septembre. Également certainement potentiellement des i5, la BLE U et la BLE S qui vont sortir aussi en septembre. Et tout ce qui est plus haut de gamme, tout ce qui est processeur standard, les HQ, les processeurs ble K, etc., vont commencer à arriver en décembre 2016, janvier 2017, c'est tout ce que vous voyez ici. Voilà, donc c'était juste pour vous apporter une petite précision par rapport à la sortie des prochains, des prochains processeurs Intel. Voilà, voilà. Ensuite, là on va parler d'un truc très intéressant qui est une nouvelle, un nouvel algorithme pour la gestion du Wi-Fi. En gros, c'est un nouveau système de Wi-Fi qui permet d'avoir trois fois la vitesse du Wi-Fi actuel et de doubler la portée des systèmes Wi-Fi actuels également. Donc en gros, le Wi-Fi à l'heure actuelle, je, je, je vais dire Wi-Fi ou Wi-Fi, ça dépend des fois. Donc je vais dire Wi-Fi, je pense. Bon, on verra bien. Donc les systèmes Wi-Fi actuels sont assez limités en termes de débit. Donc vous avez un débit max que vous pouvez atteindre. Et en, et en termes de portée. C'est-à-dire que, voilà, vous êtes, vous, avez, euh, vous êtes chez vous, il y a même des gens qui ont des très grandes maisons ou avec des murs très épais. Bah du coup, vous êtes à l'autre bout de votre maison, vous captez pas votre Wi-Fi parce qu'il bah, y a trop de murs et ça fait trop d'interférences avec le signal Wi-Fi. qui sont basiquement des signaux radio. Ce qui se passe, c'est que chez vous, mis à part ce cas que j'ai évoqué, vous n'avez pas grand problème avec le Wi-Fi. Vous arrivez à vous connecter, il y a suffisamment de vitesse, etc. Là où le Wi-Fi commence à voir ses limitations, c'est quand on va être en extérieur et lors de grands événements. Si jamais vous avez déjà été genre dans des stades, dans des compètes de jeux vidéo, dans des universités, dans des écoles d'ingé, dans des trucs comme ça, il y a forcément du Wi-Fi partout, sur le campus, dans l'école. Et là, il va y avoir quelques problèmes. Parce que si jamais vous avez tout le monde qui essaie de se connecter au Wi-Fi en même temps, ou qui se connecte en Wi-Fi en même temps, ou même si tout le monde est connecté au Wi-Fi en même temps, là, par exemple, vous allez rencontrer des problèmes de connexion. Euh, des problèmes de vitesse parce que quand vous avez 1500 personnes qui sont connectées sur le même réseau Wi-Fi, même si vous avez le meilleur réseau Wi-Fi du monde avec plein de routeurs partout etc, bah, vous pouvez avoir des problèmes. Et en plus c'est vachement dur d'avoir une portée énorme. Genre imaginez-vous sur un campus entier d'une école, sur une université, le nombre de répartiteurs qu'il faut pour relancer le signal Wi-Fi, c'est énorme. Il en faut, il en faut beaucoup. Fait que le campus fasse euh, genre euh, 700-800 mètres de long, il y a masse borne relais au niveau du wifi pour réamplifier le signal. Donc c'est assez compliqué. Il y en a qui disent au McDo, etc. Oui, au McDo, souvent, genre, voilà, t'as as, as 40 personnes connectées sur le Wi-Fi, 50, à la limite, ça passe. Vous allez dans un stade, il y a 10 000 personnes qui essaient de se connecter au Wi-Fi, ça a forcément créer quelques problèmes. Donc là, il y a une équipe de scientifiques du MIT, donc en Computer Science, et, arti et euh, intelligence artificielle, donc un lab de recherche du MIT, donc le CSAIL, Computer Science and Artificial Computer Science and Artificial Intelligence Lab, qui a développé un espèce de nouveau système Wi-Fi qui vient pallier à tous ces problèmes. En gros, vous avez trois fois plus de vitesse au niveau du Wi-Fi et deux fois plus de portée. C'est sûr, c'est un énorme avantage, mais là où le l'avantage est le plus enfin ce qu'apporte le nouveau système qui est le mieux c'est pas forcément la meilleure vitesse le meilleur la meilleure portée c'est que alors je vais essayer de vous redire les, les mots exacts tac 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 c'est ça quand vous êtes beaucoup à vous connecter dans il quand il y a des centaines de personnes qui essaient de se connecter au même signal Wi-Fi vous allez forcément avoir des problèmes de connexion, la connexion qui va ralentir, le transfert de données qui va devenir plus difficile, etc. Ce phénomène, qui est extrêmement connu des mecs qui font du Wi-Fi, etc., ça s'appelle le Spectrum Crunch. C'est-à-dire, bah, grosso modo, c'est un. C'est pas un étranglement, c'est genre. Si, c'est un... Un... un. un débordement, une surpopulation, je... je trouve pas le mot exact, du spectre. Donc il faut savoir que. Le Wi-Fi c'est des ondes radio. Donc des ondes radio ça se délivre à une certaine fréquence, et sur cette fréquence, vous allez avoir un spectre utilisable d'ondes. Et du coup, ce spectre, bah, c'est ce qui permet de passer des données, etc. Et quand il y a trop de monde qui se connecte, bah du coup, la totalité du spectre est utilisée. Et c'est extrêmement difficile de faire passer plus de données parce que le spectre entier est utilisé. C'est ce qu'il se dit, c'est que le Spectrum crunch, c'est quand il n'y a pas assez de spectres sans fil, de, de, de spectre euh, wire, wireless, qui est genre disponible pour tout le monde. Et du coup, bah, les transferts de données se font très mal. Et en gros, ils ont essayé de travailler sur ce, euh, cette surpopulation, ce sur, cette surutilisation du spectre. Et c'est euh, bah, comme si vous avez un bouchon en fait au niveau du spectre. Vous arrivez sur... Ouais, vous avez un espèce de bouchon. Et ils ont essayé de travailler pour empêcher ce phénomène. Une des méthodes qui était connue pour empêcher ce phénomène, c'était d'ajouter plus de routeurs. C'est-à-dire qu'en gros, vous mettez plus de points d'accès, et du coup, il bah, y a un spectre qui est plus large, et du coup, les gens vont mieux arriver à se connecter. Le problème, c'est que quand vous multipliez les points d'accès, c'est un autre problème qui est connu, c'est que quand tu multiplies les points d'accès, ça crée des interférences les points d'accès vont interférer les uns avec les autres. Et donc du coup, ça va aussi ralentir le réseau et le transfert de données. Parce que du coup, si vous avez un truc qui émet des ondes, ça va. Si vous en avez deux, bah, les, déjà, les ondes vont interférer. Les ondes des deux trucs vont interférer entre elles. Si vous en mettez 10 ou 20 dans un espace plus restreint parce qu'il y a beaucoup de monde, là, il va y avoir méga, un, mé, plein d'interférences et ça va être la galère au niveau de la connexion et du transfert de données également. Donc du coup, ce qu'ils ont essayé de faire c'est... Euh, bah Du coup, tu ne peux pas ré ré euh, résoudre le problème du Spectrum Crunch en mettant plus de transmetteurs. Ça ne marche pas vraiment, parce que du coup, il y avait ce problème-là d'interférence. Alors, du coup, la réponse qu'ils ont trouvée, la solution qu'ils ont, c'est d'avoir tous ces points d'accès qui travaillent ensemble, simultanément, pour utiliser le spectre entier de manière plus efficace. La technologie s'appelle le Mega MIMO 2.0. Et en gros, ça permet de coordonner de coordonner, donc de coordonner, de mettre de synchroniser plusieurs points d'accès au même temps enfin, ça permet de coordonner plusieurs points d'accès et en même temps, ça permet d'avoir un transfert de données qui prend place sur les mêmes fréquences, donc d'avoir la même fréquence parmi tous les routeurs, ce qui est le cas déjà à l'heure actuelle, mais du coup de les synchroniser, tous ces points d'accès, pour qu'il n'y ait pas d'interférence. C'est-à-dire que les interférences prennent place dans des conditions particulières, c'est-à-dire que des fois il y a deux ondes qui vont se croiser, et suivant comment elles se croisent, elles vont s'annuler, elles vont doubler d'amplitude, elles vont... En fait, les interférences, c'est un phénomène qui est extrêmement compliqué. Et quand deux ondes se croisent, il y a plusieurs façons dont elles peuvent interférer les unes avec les autres. Il y, y a des trucs où, genre, les interférences vont faire que l'onde va s'annuler et tu vas perdre ton signal. Il y a des interférences qui font que ça va, genre, déformer ton information, ça va doubler ton information, etc. Mais tu as des moyens pour que tes interférences, quand, elles se cro quand tes deux ondes se croisent, elles n'interfèrent pas. Parce qu'elles se croisent à un point précis, etc. Et du coup, ça n'interfère pas. Enfin... Et du coup, ils sont basés là-dessus. Et ils ont utilisé un espèce d'algorithme, euh, qui est basé sur le MIMO apparemment, qui est une technologie qui est utilisée dans tous nos appareils sans fil. Donc ils ont utilisé un algorithme qui permet aux différents transmetteurs d'utiliser le même spectre sans causer d'obstacles. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que voilà. Le, le, le chercheur a même résumé le truc, qui s'appelle Ari Aran Raoul, a dit... De la même façon que deux stations radio peuvent pas jouer de la musique, peuvent pas diffuser de la musique sur une même fréquence en même temps. Plusieurs routeurs peuvent pas transférer des données en même temps sur le même bout de spectre sans créer des interférences majeures qui vont euh, genre brouiller le signal et rendre le signal dégueulasse. C'est-à-dire que au même moment à la même fréquence, tu peux pas avoir deux routeurs qui vont utiliser et essayer d'envoyer des données sur le même bout de spectre. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont utilisé la technologie MIMO, qui est déjà utilisée, et qui s'appelle le Multiple Input, Multiple Output. C'est l'acronyme de MIMO. Et en gros, ça permet à tous les téléphones que vous avez, tous les smart devices, etc., de recevoir plusieurs signaux de différents euh, transmetteurs. Euh, de différents transmetteurs. C'est-à-dire que vous allez pouvoir recevoir par exemple un signal Wi-Fi euh, de votre box, le signal euh, radio de votre euh, antenne euh, qui gère le téléphone, vous pouvez recevoir un autre signal Bluetooth, etc. Mais jusqu'à présent, apparemment, en utilisant plusieurs transmetteurs, ça posait des problèmes. Et du coup, le nouvel algorithme qu'ils ont mis en place ben, évite ça et permet de mieux gérer la congestion du network et d'éviter d'avoir des interférences. Tac 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 tac. En gros, voilà, c'est ça. Comme le spectre est genre réduit, on a un spectre qui est réduit, on ne peut pas étendre le spectre. La seule façon euh, d'améliorer la capacité sans fil est d'ajouter plus de points d'accès et d'utiliser une espèce de solution distribuée du multiple input, multiple output. Voilà, voilà. Et en gros, ils ont fait une démonstration de leur système. Ils ont atteint des, des transferts de données qui étaient 330%, 330 plus rapides que notre connexion Wi-Fi actuelle et qui avaient deux fois plus de portée. Spectre électromagnétique, exactement. Donc ça pose problème d'avoir deux boxes Wi-Fi dans la même maison. Ça peut poser problème, oui. Mimo, c'est mignon, je pense que je vais appeler mon chat comme ça. <laughs> HP Spectre, hashtag Grip. Bref, c'est assez compliqué. Là, c'est extrêmement résumé parce que je suppose que le MIT a dû publier, enfin le labo a dû publier un énorme article scientifique qui explique comment marche l'algorithme, etc. Je ne l'ai pas lu, je pense que je pourrais le comprendre parce que ça doit être assez intéressant. Enfin, je pourrais comprendre des bouts, mais certainement pas tout. Mais euh, voilà, pour vous dire que le Wi-Fi va certainement évoluer, mais pour l'instant, du coup, c'est au stade où c'est dans un labo. Il y a des tests qui ont été faits, ça a été prouvé que ça marchait, mais on ne sait pas quand ça va voir le jour d'un point de vue commercial et utilisation globale pour tout le monde. On espère que ça va sûrement venir assez vite, mais apporter un concept et une technologie qui est prouvée dans un labo à la vie réelle et à la vie dans le monde réel, c'est souvent assez long et assez compliqué. Mais il se peut qu'on voit une évolution du Wi-Fi dans les quelques prochaines années. Ensuite, on va parler de Nvidia. Je suis désolé, on est resté très très longtemps sur cette news, hein, mais bon, il faut que je vous parle un petit peu des spectres, etc., des ondes. Donc Nvidia, qui a révélé le... Euh, chipset du GP100, qui est le, le plus gros chipset de la gamme Pascal. C'est celui qui est utilisé pour leur carte graphique Tesla P100. Donc ils ont montré, euh, ils ont montré quand Ils ont montré en mai, je pense. Je crois qu'ils avaient montré ça en mai. Ouais, c'est ça. Donc c'est ça. Le GP100, c'est celui qui équipe la Tesla P100 et dont ils ont équipé les data centers depuis juin 2016. Donc ils l'avaient montré fin mai ou début juin je sais plus et c'est ce qui est utilisé dans la Tesla P100 mais il avait pas ils n'avaient pas montré le détail du chipset et là grosso modo ils l'ont montré c'est le plus gros chipset de leur gamme donc 610 mm il y a 4 blocs d'HBM entrée-sortie il y a 30 modules de calcul il y a 4 émo de cache L2, il y a 4 NV, NV Link, des choses qui vont remplacer le PC Express pour les professionnels et les data centers, ça ne concerne pas les particuliers. Et vous avez également le support du PC Express Gen 3. Voilà la gueule de l'architecture du chipset. Il est gigantesque. Il est énorme. Il est énorme. Donc chaque petit truc là que vous voyez là, c'est un SM normalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, tac, 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 10 x 60, donc ouais, chaque deux blocs comme ça, c'est un SM, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Voilà la gueule du chipset, et grosso modo, voilà ses caractéristiques techniques. Donc c'est un monstre, hein, 16 nanomètres bien évidemment, on est basé sur du streaming multiprocesseur de l'architecture Pascal, on double presque le nombre de transistors par rapport au GP100, au, GP2, au GM200 de chez Maxwell, on passe de 8 millions à 15,3 millions. La taille du chipset augmente, donc la taille du DIE, le die, qui est la puce. On diminue les processeurs de calcul, euh, de flux par unité de calcul, mais on augmente le nombre d'unités de calcul. On augmente le nombre de q d'accord. On augmente le nombre d'unités de calcul énormément. C'est-à-dire que vous voyez, on passe de 24 compute unit à 60. Donc on fait. On Limite, on triple le nombre d'unités de calcul, mais on diminue le nombre de stream processors, de processeurs de flux, par unité de calcul. On multiplie par 3 et on divise par 2, bon, grosso modo, il y a un gain quand même. En calcul FP32, FP32 c'est du euh, single point, c'est du floating point en single precision. Donc euh, calcul à virgule flottante en simple précision, donc sur 32 bits. On est à 12 teraflops par seconde, quasiment le double, bah même plus, presque le double par rapport à Maxwell. Et en FP64, qui est le calcul Floating Point Integer à double précision, on est à 5.5. Nvidia Pascal a vraiment mis l'accent sur le calcul FP64. Le FP64 est inutile dans les jeux vidéo. Inutile. Il ne sert pas du tout. Il sert que pour faire du calcul brut et euh, du calcul... Euh je sais pas comment dire ça, mais c'est pas. Le FP64 n'est pas utilisé pour faire du rendu et dans les jeux vidéo, généralement. En tout cas, il n'est pas utilisé dans les jeux vidéo. Mais là, Pascal a vraiment voulu mettre l'accent sur ces unités de calcul-là. Vous voyez qu'avant, on était à 0,20 teraflops à Maxwell, 1,4 sur Kepler. C'est-à-dire qu'on était très très mauvais en double précision. Et là, on est passé à 5,5 teraflops, ce qui est énorme. Vous avez un gain de euh, techniquement. 2000% voire plus, c'est scandaleux au niveau de la VRAM. Bah bien évidemment, GP100, c'est le seul truc Pascal, le seul chipset Pascal qui a de la HBM2, 16 ou 32 go d'HBM2. Oh my god, du coup, avec une bande passante, bah, du coup, de 1 terabyte par seconde au niveau de la mémoire et un TDP de 300 watts, c'est normal. Donc voilà, ils ont c'était juste pour revenir là-dessus parce que du coup, ils ont fait une petite photo, elle est magnifique, hein, vous voyez, bref. On va passer à Vega 10. On en a parlé également la semaine dernière. Je vous ai dit Vega, ça va certainement arriver plus tôt que prévu, potentiellement être annoncé en octobre ou novembre 2016. Donc Vega va potentiellement être annoncé en octobre-novembre 2016, mais ça a été confirmé par AMD que la première carte graphique avec l'architecture Vega 10, donc le prochain GPU AMD Flash GPU, va arriver le premier, enfin au Courant du premier trimestre 2017, donc enfin premier trimestre, <laughs> la première moitié de 2017, c'est pas le premier trimestre, c'est la première moitié. Ça va arriver entre janvier et juin 2017. Voilà, voilà. Donc, ils vont vraiment maximiser leur euh, nouvelle architecture, c'est à dire qu'ils vont lancer Zen début 2017, ils vont lancer Vega début 2017. En gros, ils vont, ils vont commencer un tout nouveau cycle d'un point de vue architecture, que ce soit CPU, chipset ou GPU. Donc, grosso modo, attendez AMD au tournant début 2017, genre entre janvier et juin 2017. Je pense que le paysage informatique et le paysage hardware va beaucoup changer avec AMD qui va rentrer, bah, qui va rentrer dans le game avec des trucs énormes, Zen et Vega. Donc attendez-vous à ça et puis les chipsets AM4. Donc pour l'instant, pas d'autres nouvelles, à part que ça va être de l'HBM2, que du coup bah, c'est gravé en 14 nanomètres, mais juste une nouvelle sur la sortie qui a été confirmée par AMD pour la première moitié de 2017. Voilà, voilà, voilà. Après, potentiellement, ce qu'ils disent également, c'est que ça va apporter une concurrence directe à la GTX 1070 et à la GTX 1080, cette architecture Vega, et que potentiellement on pourrait voir une GTX 1080 Ti. Parce que pour l'instant ils ont la 1080 et il n'y a pas de concurrence au niveau d'AMD. Donc en gros c'est euh, Nvidia est tout seul sur le marché du haut de gamme. Avec euh, Vega, AMD va à mon avis prendre les devants en termes de performance haut de gamme de ce point de vue-là, d'un point de vue GPU. Mais du coup, ça, ça veut dire que pour l'instant, il n'y a pas de 1080 Ti qui va sortir, parce qu'il n'y a aucun... Il a aucun intérêt de la part d'NVIDIA de sortir une 1080 Ti, parce qu'ils ont déjà le haut de gamme avec la 1080, et il n'y a personne AMD ne, ne peut pas rivaliser avec eux sur le haut de gamme avant 2017. Du coup, ils s'en foutent. La 1080 Ti n'est pas prévue pour l'instant. Mais potentiellement, peut-être que Mi-2017, là c'est une spéculation que je fais tout seul, mais je sais vraiment apprendre avec des grosses grosses pincettes ou avec des petites pincettes suivant euh, ce que vous aimez. Si Vega sort et que ça dépasse Nvidia d'un point de vue GPU en milieu 2017, il est possible que Nvidia sorte la 1080 Ti pour contrer ça et pour un peu reprendre le haut de gamme. Le problème c'est que en 2017, Nvidia est censé sortir Volta. Donc ça se trouve la 1080 Ti va jamais sortir parce que AMD va sortir Vega 10. Va venir battre la 1080 de chez Nvidia et la Titan X Pascal. Et du coup, Nvidia. Bah du coup, AMD aura le haut de gamme, aura le marché haut de gamme d'un point de vue GPU. Et du coup, pour contrer ça, Nvidia va peut-être pas lancer de 1080 Ti, mais va directement attendre Volta. Et passer sur Volta. Pour venir concurrencer à AMD sur le haut de gamme avec Vega. Donc, c'est pour ça que ça se trouve, la 1080 Ti va jamais sortir. Parce que quand. La nouvelle architecture de chez AMD va sortir. Bah Nvidia va être à quelques mois de sortir également leur nouvelle architecture Vega euh Volta. Donc ça vaut peut-être pas le coup pour eux de sortir une 1080 Ti. Voilà voilà. Bref. On va continuer avec Deus Ex: Mankind Divided, qui est sorti. Euh, bah il y a trois jours, je crois, quelque chose comme ça, et en grosso modo, il y a eu des petits benchmarks qui ont été faits pour voir comment ça tournait sur un i7-6804 en 2Go de RAM, etc. C'est le même système que tout à l'heure, avec différentes cartes testées, l'ARX470, l'ARX480, une 1060, une 380, 10 de chez AMD, une 980, une R9 Nano, une 980Ti, et une R9 Fury X. Donc il n'y a pas de 1070 et 1080. Et grosso modo... Ah, vous voyez quasiment rien Ouais, vous voyez quasiment rien. En gros, en haut c'est la R9 Fury X, en dessous c'est la 980 Ti, la Nano Fury X 980 Ti, Nano 980, 400... 390, 480, 1060. La 1060 est ici. Vous voyez que sur Mankind Divided, la RX 480 qui est là fait légèrement mieux que la 1060 qui est là. Et ici, il y a la 470. Donc la 470 est très très proche de la 1060. Je pense que c'est un jeu qui est favorisé pour les par les cartes AMD, très clairement. Et en 1440p, bah, les écarts sont encore plus proches dans les cartes milieu de gamme. Et bon, en 4K, très clairement, ça a beaucoup de mal à tourner sur une R9 Fury X ou sur une 980 Ti. On est à 23 FPS, c'est pas pas génial. Mais ça tourne plutôt pas mal en 1080p. Tourne plutôt bien. On va continuer avec la GTX 1080 qui serait l'arme ultime pour craquer les mots de passe. Grosso modo. Grosso modo, grosso modo. Il faut savoir que souvent, d'un point de vue calcul brut, les GPU sont plus puissants que les CPU. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus de logiciels qui gèrent l'accélération matérielle avec CUDA, avec les G les GCN de chez AMD, on voit de plus en plus de logiciels qui gèrent l'accélération matérielle et qui utilisent les cartes graphiques pour accélérer, par exemple, les rendus au niveau du montage vidéo, pour accélérer euh, les calculs en simulation, etc. On voit de plus en plus de logiciels qui prennent part de la puissance de la carte graphique parce que une carte graphique c'est extrêmement puissant, ça peut souvent effectuer beaucoup plus de calculs à la seconde qu'un CPU. C'est juste que ça, pas tout à... ça effectue pas tout à fait les mêmes calculs, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des calculs qui peuvent être effectués sur la carte graphique, ils peuvent aussi fait... être effectués sur le CPU, mais il y a des calculs qui peuvent seulement être effectués sur le CPU et pas sur la carte graphique. Bref, il y a certaines techniques de craquage de mot de passe, donc je pense notamment ça doit être du bruit de force, qui peuvent être utilisées par la carte graphique. Et grosso modo, ils ont essayé de craquer un document Microsoft Word protégé avec une 980, avec une 1080 et avec un CPU tout seul. Pour la 980, elle faisait 3800 essais par seconde. Donc grosso modo, je pense que c'était du brute force, c'est-à-dire que tu essayes plein de combinaisons de mots de passe. Plein, 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 et jusqu'à ce que ça passe. Tu essayes le plus possible de mots de passe, jusqu'à ce que ça passe. Le CPU se limitait à 30 essais par seconde, donc vous voyez que c'est ridicule par rapport à une 980. 3800 contre 30 essais, donc grosso modo vous voyez que dans ce cas-là une carte graphique peut être très très utile. Et la 1080 était à 7100 essais de mot de passe par seconde. Donc vous pouvez voir que là où un CPU mettrait en moyenne, donc le CPU pouvait mettre à peu près deux ans à craquer le mot de passe de ce document Word, hein, on parle d'un petit document Word à la con, hein, un petit document Word tout banal, bah, un CPU aurait mis deux ans en brute force à le craquer, alors qu'une carte graphique genre la 1080 aurait mis 83 heures. Voilà, je dis ça, je dis rien. <laughs> Faites gaffe à vos mots de passe, mettez pas des trucs trop simples. Voilà, c'est juste pour vous dire ça. <laughs> Ensuite, là on va parler, on va partir dans des trucs hyper intéressants et hyper poussés, sauf qu'on va en parler très 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 vite. Donc le truc est mal cadré, je sais, de toute façon c'est de l'allemand, je ne parle quasiment pas allemand, j'ai fait euh, 8 ans d'allemand, mais je ne parle plus un très mot d'allemand, les amis, hein, qu'on se dise entre vous et moi. J'ai tout oublié, même si l'allemand est une très belle langue, hein, très poétique, très mélodique. Hein, est... Ah, Ishlivedisch Comme vous pouvez le voir, hein, je t'aime, ça sonne très bien en allemand. Non, pas du tout. Bref, il semblerait que Samsung ait parlé de la GDDR6 pour 2018. Donc ce qui se passe, c'est que là on a vu la gddr 5. Nvidia a mis au point la GDDR5X. Enfin, Nvidia. Des compagnies en collaboration avec Nvidia et Nvidia utilise donc il y a certainement Samsung parce que Samsung fait beaucoup de choses en termes de mémoire etc et en recherche de mémoire ont mis au point la GDDR5X plus rapide que la GDDR5 et là il semblerait que Samsung bah, parle un petit peu de la GDDR6 qui viendrait prendre le relais par rapport à la GDDR5 en apportant plus de vitesse au niveau de la bande passante enfin plus de bande passante au niveau de la mémoire, plus de vitesse au niveau du transfert et moins de consommation énergétique. Donc l'article est en allemand. Je ne bite rien du tout. Tout ce que je sais, c'est qu'il semblerait que pour 2018, Samsung prévoit la sortie de la GDDR5. Avec 14 gigabits par seconde en termes de, bande, fin, de vitesse de transfert, alors que la GDDR5 est environ à 5 gigabits par seconde. Euh, enfin non, attendez. Tu, 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 tu. Non, c'est ça. Donc avec un peu plus de 14 gigabits par seconde au niveau de la GDDR6 alors que la GDDR5 est grosso modo à 10 gigabits par seconde. Donc on a la GDDR5 qui est ici et la GDDR6 viendrait se placer par là. Vous voyez également sur ces magnifiques graphiques la DDR5 et ici la DDR4. Et vous voyez également sur ce graphique qui parle de l'efficacité énergétique donc la consommation en milliwatts par gigabit par seconde. Donc, au niveau de la GDDR6, on descend encore un petit peu. Donc, en gros, 20% plus, plus efficace que la GDDR5. Et vous voyez également la DDR5 qui est plus efficace que de la DDR4. Donc, là, c'était juste pour vous introduire la GDDR6 sur laquelle Samsung est en train de travailler et qui va potentiellement sortir en 2018. Vous avez vu DDR5 Et oui, je ne vous mens pas. La DDR5 va donc certainement arriver, donc on va parler ici, pour 2020. Donc la DDR4 est arrivée il y a déjà, je pense, deux ans, quelque chose comme ça. Elle a eu beaucoup de mal à se mettre en place. C'est-à-dire que la DDR4 a eu beaucoup de mal à s'installer, de base parce que tout ce qui est architecture AMD ne supporte pas encore la DDR4. Il n'y a que Intel et les chipsets Intel qui supportent la DDR4. Et encore, ça a eu beaucoup de mal à s'installer, la DDR4, parce qu'elle a porté très peu en termes de performance et de gains brut par rapport à la DDR3. C'est-à-dire que pour l'instant, avec toutes les applications qu'on a, qu'on utilise les jeux, la DDR3 était suffisamment rapide et suffisait largement. Et du coup, la DDR4 a eu beaucoup de mal à se faire sa place. Elle était plus chère et c'était dispensable. Bon, maintenant, de plus en plus... On va partir sur de la DDR4 parce que c'est de la nouvelle architecture et parce que les architectures anciennes avec les anciens processeurs se font vieux. Donc il vaut mieux partir sur les nouvelles architectures et sur de la DDR4. Mais la DDR4 ne va pas grosso modo vous apporter un énorme boost en performance. Sauf dans certains domaines où il va y avoir des petits boosts en rendu sur After Effects, etc. C'est un peu plus rentable d'avoir de, de la DDR4, ça permet d'avoir des rendus qui sont plus rapides, etc. Vous avez une bande passante qui est plus élevée et tout et tout. Mais. C'est pas. ça n'a pas été un énorme, une énorme amélioration de la DDR4. Et là, de base, ils pensent déjà à la DDR5, qui viendrait en fait combler les failles et les lacunes de la DDR4. Donc ils disent que d'ici 2020, il y aura plein d'applications qui font que les PC auront besoin de plus de RAM et de la RAM surtout beaucoup plus rapide. Notamment pour la VR. Donc c'est ce qu'ils disent là. L'Intel Developer Forum, avec des spécialistes de la mémoire vive ont déclaré que les PC auront certainement besoin de plus de RAM et de la RAM beaucoup plus rapide pour des applications comme la réalité virtuelle et d'autres applications. Donc c'est des prévisions. Hein. Ils prévoient qu'il va falloir que la RAM soit beaucoup plus rapide pour ces applications de ce type-là. Et que la bande passante fournie par la DDR4 ne pourrait pas suffire et que du coup, potentiellement, il faudrait switcher sur de la DDR5. Et voilà, il va y avoir beaucoup de changements de ce côté-là. Nous allons voir beaucoup de changements dans les années à venir autour de la mémoire. Et ben voilà, c'est ça. Les acteurs principaux de la mémoire ne voudront pas dépenser des milliards de dollars sur des nouvelles technologies sans savoir qu'il y a un gain important derrière. Il faut qu'il y ait un véritable gain si vous voulez investir des millions en recherche et en développement de nouvelles technologies au niveau de la mémoire. Il faut savoir qu'il y a un gain. C'est-à-dire que il y, y a des prochaines sortes de mémoire haut de gamme qui vont sortir, comme le HBC, qui est le hybrid. Cube de mémoire, donc Hybrid Memory Cube, ou le HBM, qui est déjà sorti, qui est le High Bandwave Memory, qui est la mémoire à très haute bande passante. Mais ces deux types de mémoire-là, bah comme vous avez pu le voir, à l'heure actuelle, ils n'ont pas vraiment décollé. Le HBC, vous n'en avez certainement jamais entendu parler. Le HBM, vous en entendez parler dans les cartes AMD, parce que il a déjà été utilisé dans les R9 Fury et R9 Fury X, mais bon, ça n'a pas apporté un gain énorme en performance. Vous allez en entendre parler avec HBM2 dans les prochaines cartes Vega et certainement les prochaines cartes Nvidia Volta. Là, ça va peut-être apporter un petit peu plus parce qu'il y a quand même plus de possibilités avec l'HBM2. Mais pour l'instant, c'est des technologies qui, sont, qui ont déjà un ou deux ans, mais qui n'ont pas vraiment trouvé leur place dans le marché. Parce qu'elles n'apportaient pas vraiment un véritable gain en performance. Et en gros, la DDR5 viendrait combler les lacunes de la DDR4 et apporter un véritable gain. Et potentiellement, la HBM3, dont on va parler maintenant pourrait aussi apporter beaucoup plus de performance que l'HBM2 et genre combler également les lacunes de l'HBM1 la et HBM2. Donc, encore une fois, c'est SK Inix et Samsung qui ont eu une discussion et ont dévoilé un petit peu la roadmap concernant la mémoire HBM, donc High Bandwidth Memory. Donc, ce qu'ils veulent faire, c'est arriver à produire de la mémoire HBM à bas euh, coût, à très faible coût, parce que pour l'instant, la HBM, elle est. Pas beaucoup utilisé parce que c'est très cher à produire l'HBM. Et du coup, Samsung et SK Inix voudraient pouvoir produire de l'HBM à faible coût, comme ils le font avec la GDDR5, avec la GDDR5X, pour pouvoir équiper ben, même les PC mainstream et les trucs comme ça de HBM. Donc, que ce soit genre les cartes graphiques, les serveurs, les, euh, les PC des clients, etc tout ça, ils aimeraient genre équiper tout ça de HBM, mais que ce soit pas, que ça coûte pas un bras, que ce soit de l'HBM moins cher. Donc on va revenir vite fait sur les spécifications. Donc vous avez beaucoup plus d'entrées sorties au niveau de l'HBM, donc c'est pour ça que vous avez plus de bandes passantes également. Donc bande passante qui est carrément doublée par rapport à de la GDDR5X. Donc on double, enfin on passe à 128 Go par seconde au niveau de l'HBM1, la l'HBM2 la double cette bande passante, on a des vitesses d'accès qui sont grosso modo comme de la GDDR5, entre 48 nanosecondes et 45 nanosecondes. Et au niveau de la consommation, ce qui est bien, c'est qu'on est plus bas que de la GDDR5, ça consomme un peu moins. Donc, ça, c'est vraiment génial. Donc, ils aimeraient faire de la, de la HBM qui soit plus, plus rapide et moins chère que la HBM1, qui soit construite voilà, pour le marché de masse, accessible à tout le monde. Donc voilà, ce qu'ils appelleraient de la low cost HBM. Ils diminuent les entrées-sorties, ils augmentent la vitesse de transfert par pin qui était à 2 gigabits par seconde pour l'HBM2, ils la passent à 3 mais ils diminuent un petit peu la bande passante par chipset, ils la passent de 256 à 200. Et ensuite, ce qu'ils veulent également faire, c'est continuer à développer la HBM et apporter la HBM3 ou la XHBM. Qui elle sera pour le haut de gamme et pour les très hautes performances. Voilà voilà. Donc ça doublerait également encore la bande passante de l'HBM2, grosso modo. Voilà, les spécifications de l'HBM3 n'ont pas encore été finalisées, mais elle sera, bon, si on considère ce qui s'est fait jusqu'à présent, il y a deux points qui ont été abordés. C'est que l'HBM3 ou la XHBM, comme ils veulent l'appeler, offrirait deux fois la bande passante. De l'HBM2 et aurait un prix plus attrayant. Donc, grosso modo, il y aurait 512 gigabits par seconde de bande passante pour chaque petit chipset d'HBM au lieu de 256 gigabits par seconde de l'HBM2. Et du coup, ce qui fait que si vous en mettez 4, parce que du coup, vous pouvez stacker 4 chipsets, enfin 4 petits euh, modules d'HBM2 à l'heure actuelle, si vous stockez 4 petits modules d'HBM3, vous atteignez des débits de 2 terabytes par seconde en bande passante. Alors que du coup, la HBM2, si vous en mettez 4 à 256, vous atteignez les 1 Tera. Voilà. Voilà, voilà. La HBM2, le maximum que vous pouvez mettre en stackant les trucs, c'est 48 Go. Et là, en termes de capacité avec la HBM3, on doublerait également ces possibilités et on passerait sur du 64Go. Voilà, voilà. Donc, c'est ce que je vous dis. C'est genre, on aborde très rapidement parce que c'est des spéculations, c'est des trucs qui sont en train d'être discutés au niveau des roadmaps. Il n'y a pas vraiment beaucoup euh, d'informations là-dessus. Il y a peut-être même une petite information dont je n'ai pas parlé sur la DDR5 qui apporterait le double de la bande passante par rapport à la DDR4, ce qui est juste écrit ici, avec le même voltage, voire même un petit peu plus bas, parce que souvent la RAM est à 1.2. Là, ça serait à 1.1 volts. Et il y aurait également plus de. Fréquence, fré les fréquences seraient beaucoup plus hautes. Et toujours on aurait toujours des sticks de 8 à 32 Go de RAM. Mais du coup, la DDR4 a des fréquences qui vont de, 1000, qui vont de 2133 MHz à, 2000, à 3400, je crois. 2133 à 3200 ou 3400. Là, au niveau de la DDR5, on partirait à des fréquences de 3200 MHz. Donc 1000 MHz plus haut que la DDR4. Et on pourrait aller jusqu'à 6400 MHz pour une fois que la DDR5 sera bien développée, etc. Donc grosso modo, des fréquences beaucoup plus hautes pour de la DDR5 par rapport à la DDR4. On passe de 2133 à 3200 pour la fréquence, de ba... enfin, la, fréquence la plus basse, et au niveau de la fréquence la plus haute, au niveau de la DDR4, on était entre 2... 3200 et 3400, je ne sais pas exactement, désolé, et on passe à 6400 potentiellement. Bref, et dernière chose dont on a parlé, le PC Express 4.0. Donc là, je vous dis, il y a beaucoup d'annonces au niveau de nouvelles technologies. HBM4, euh, HBM4 HBM3, DDR5, GDDR6, PCI Express 4.0. Genre ça, pouf, mon Dieu L'informatique va, en mon avis, beaucoup évoluer dans les 3-4 prochaines années. Donc PCI Express 4.0, qu'est-ce que ça apporte On va avoir plus de bandes passantes, très clairement. On double la bande passante. PCI Express 3.0, en 16 fois, on était à 8. Giga euh, 8 giga... Ah, c'est quoi, quoi cette unité de... C'est quoi cette unité de merde Je vais prendre mon autre article dans lequel c'est mieux défini. Euh, voilà. PC Express 3.0, on est ici. Un taux de transfert de... Tac tac tac. Une bande passante de quasiment 1 Tera par seconde. 1 TB par seconde en 16 fois, on est à 15,754. 15 gigabits par seconde en 16 fois avec la bande passante de 1 mégabyte par seconde. Quand on est en une fois, quand on est en une fois, on a 1 un, 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 un giga par seconde. 4 fois, on est quasiment à 4 giga 4 gigas par seconde, 8 fois, on est quasiment à 8 giga par seconde, 16 fois, on est quasiment à 15 giga par seconde pour le PCI Express 3.0. Le 2.0, on est à 8. 3.0, on double. 4.0 on on double également par rapport au 3.0. Donc on passe de 15 gigabytes par seconde en transfert et en bande passante en 16 fois à du 32 quasiment, 31,5. Donc vous doublez la bande passante avec le PCI Express 4.0 par rapport au 3.0. Je pense que vous êtes plus efficace énergétiquement potentiellement. Là où c'est très 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 intéressant, c'est que au niveau de la consommation et de la puissance, le PCI Express 3.0 Délivrer un maximum de 75 watts par la ligne PC Express. Grosso modo, si vous branchez votre carte graphique ou n'importe quoi, ça pouvait recevoir 75 watts par la ligne PC Express. Donc voilà, c'est ça. Le rating pour des cartes PC Express 16 fois vient à 3A à 33 ,3 volts et 5,5A à 12 volts. Et là, avec, la avec, la avec le PC Express 4.0, de je repasse sur cette magnifique euh... ah bah non bah c'est pas marqué là sur cette magnifique euh... sur ce magnifique truc. Est-ce que c'est marqué à un endroit Histoire que je vous trouve une petite image. Bon, c'est pas pas explicitement marqué, enfin si c'est explicitement marqué, mais en gros le PC Express 4.0 pourrait permettre d'apporter jusqu'à 300 watts de puissance via la ligne PC Express. C'est-à-dire que vous passez de 75 watts apportés par la ligne PC Express en 3.0 à 300 watts apportés par la ligne PC Express avec la norme 4.0. Donc, grosso modo, si vous pouvez délivrer 300 watts de puissance via la ligne PC Express, vous n'avez même pas besoin de connecteur d'alimentation pour votre carte graphique. Vous pouvez juste plugger votre carte graphique dans le port PC Express 4.0, elle va marcher. La 1080 a un TDP de 150 170 watts. PCI Express 4.0, vous n'avez même, même pas besoin de connecteur d'alimentation en 8 pins pour votre 1080. Vous la branchez juste dans votre port PCI Express, elle a suffisamment de puissance. Surtout qu'ils annoncent qu'au début, ça pourra délivrer environ 300 watts et qu'au maximum, il pourrait arriver à 400 voire 500 watts de puissance via la ligne PCI Express. Ce qui est énorme. Grosso modo, ça veut dire plus d'alimentation pour les cartes graphiques. L'alimentation est directement, enfin plus de connecteurs d'alimentation pour les cartes graphiques ou pour d'autres cartes qui se connectera en PC Express. Vous pouvez directement plugger et toute la puissance sera fournie par la ligne PC Express, par le port, ce qui est énorme. Puis voilà et puis du coup on améliore également les vitesses et les bandes passantes. C'est génial. Donc des performances plus rapides avec la GDDR avec la PC Express 4.0 comme vous voulez, tac, 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 plus d'efficacité énergétique, plus de transfert de données rapide, etc. Et potentiellement utilisé pour le M.2, pour le U.2 ou pour les PCI, enfin pour les cartes en PCI comme les cartes graphiques. Voilà, voilà. Euh, ensuite, il y avait, oui, bon, il y a également une autre news par rapport au câble OCU Link, qui est grosso modo un câble qui apporte une connectique PCI. On ne va pas en parler. C'est dans trop longtemps, c'est pas encore assez bien défini. Voilà voilà. Voilà, voilà ce que j'avais à vous dire là-dessus. Donc j'ai DDR6, DDR5, HBM3, PCI Express 4.0, il y a que, que, que du bon. Donc bien sûr, évidemment, je vous mets comme d'habitude les liens dans la description de la VOD pour ceux qui voudront euh, le voir. Ah petite petite précision par rapport au OCU Link. Donc en gros. Alors il y a aussi une nouvelle norme appelée OCU-Link qui permettrait aux cartes graphiques haut de gamme et aux SSD ultra rapides d'être utilisées à l'intérieur ou à l'extérieur du PC. Donc c'est ça, c'est un espèce de câble qui était dans l'autre article, un espèce de câble que vous pouvez utiliser pour, je pense, bah, faire un espèce de port PC Express interne ou externe, qui est une espèce de nouvelle norme. Et du coup bah, vous branchez votre SSD avec ce câble-là, et c'est un câble bah, avec une très haute bande passante. Et vous pouvez par exemple bah, brancher une carte graphique externe grâce à ce câble-là, je pense. C'est ce que va être l'OCU Link. Donc pour les SSD ultra rapides, ceux qui se branchent actuellement en PCI, voire des SSD qui seraient encore plus rapides dans le futur, et pour potentiellement des cartes graphiques externes, au lieu de les brancher en Thunderbolt ou en truc comme ça, vous pourrez aussi utiliser l'OCU Link. Bref, les amis, j'espère que ce tech vous aura plu. C'était assez long, il y avait pas mal de trucs à dire, etc. En attendant. Bah comme d'habitude, la si vous avez likez, dislikez si vous avez dislikez, laissez vos commentaires, questions, etc. Réagissez, dites-moi ce que vous en pensez, et sur ce, je vous dis à tchao, bonsoir.